Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la Formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la dernière partie de cette émission. Pardon. Notre invité ce soir est le professeur Joël de Ronay, docteur en sciences. On ne sait pas par où commencer sa biographie, de l'Institut Pasteur au MIT. On résumera en disant que c'est un personnage majeur de la science de notre pays et l'auteur de nombreux best-sellers, dont le dernier vient de sortir, La Symphonie du Printemps, un titre poétique mais sous-titré « Comment l'épigénétique va changer votre vie ». Diantre. Bonjour Joël de Ronay. Bonjour. Vous n'êtes pas dans la surpromesse médiatique, là ? Non, pas du tout. C'est la symphonie du vivant, mais on peut mettre ça avec le printemps, puisqu'on y est. Très bien. Alors, le monde est-il en train de se libérer du carcan génétique et mettre à mal le monde darwinien ? Vous allez nous expliquer une découverte assez récente, quoique l'épigénétique. Nos gènes ne sont pas modifiables que par l'évolution de l'homme au cours des siècles, mais aussi par l'environnement. Et cette évolution se fait par petites touches à l'échelle d'une vie. Et surtout, ces modifications se transmettent, ce qui signifie aussi que la fatalité génétique n'a plus cours et que nous sommes tous les chefs d'orchestre de notre vie, de nos changements et de notre équilibre. On compte sur vous pour nous en faire la démonstration. Alors, je vous propose une émission en trois parties. D'abord, comprendre ce qu'est l'épigénétique, ensuite découvrir les applications directes sur la santé et cette notion de devenir chef d'orchestre de notre vie. Enfin, transposer cette découverte à la société, ce que vous appelez des gènes au même. Un nouveau terme qui implique une nouvelle discipline, la mémétique. Voilà. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez dès maintenant les poser à notre invité grâce à la boîte de dialogue qui est située au-dessous de votre écran. Nous sommes le dernier jeudi de mars, date de notre rendez-vous mensuel avec notre partenaire, le groupe Vive, qui sera représenté pour co-animer avec moi cette émission par le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, intrigué par cette révolution épigénétique ? Très intrigué. Des petits pois, bonjour Joël de Ronay, des petits pois de Mendel jusqu'au séquençage du génome humain, tout était fixé sur le code génétique, avec une conception assez établie de l'inné et de l'acquis. Aujourd'hui, vous nous dites qu'avec l'épigénétique, c'est finalement l'acquis devient transmissible. Donc oui, très intrigué, très intrigué. Alors, comme vient de le dire Nicolas, le monde est-il en train de se libérer du carcan génétique ? Oui, Henri Atlan l'a très bien dit, le tout génétique, c'est derrière nous. Pourquoi ? Parce que, en plus d'où épi, le programme génétique, il y a un métaprogramme qui se greffe dessus et qui permet de moduler l'expression des gènes en fonction de notre comportement volontaire ou involontaire. Alors, ça dépend de l'environnement dans lequel on vit. Les gènes, ils sont tous modifiables à volonté ? Ils sont modifiables à volonté, ce n'est pas le gène, on ne change pas le code génétique, oui. Mais on change l'expression des gènes. Alors justement, plus, moins, inhibé, marchant, ne marchant pas. Ça m'intéressait en lisant votre bouquin, je me suis aperçu d'abord que, bon, on a combien de gènes ? 30 000. 30 000. Le décodage du génome, qui est quand même un truc formidable à démontrer, qui n'occupe que 2% de notre génome. Alors au début, on a parlé d'ADN poubelle, pour le reste, en fin de compte, c'est 98%. Il n'est pas du tout poubelle. C'est essentiel. En fait, c'est un ADN c'est l'épigénome, c'est-à-dire qui contrôle l'expression des gènes par plusieurs moyens, des enzymes qui sont produites et qui vont agir sur les histones, qui sont les protéines qui entourent l'ADN, et des micro-ARN, c'est-à-dire comme l'ADN, c'est la même structure, mais beaucoup plus petit, qui vont agir comme des interrupteurs chimiques et qui vont allumer ou éteindre des gènes selon notre comportement. Alors justement, j'ai lu un très bon dossier dans le point dans lequel vous êtes interviewé, qui dit notre chromosome, c'est une guirlande de Noël, donc les gènes, c'est plein d'ampoules, et il y a des milliers d'interrupteurs, et maintenant, l'enjeu, c'est de trouver comment fonctionnent ces interrupteurs. C'est caricatural, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est très bien, il y a deux choses. D'abord, on comprend beaucoup mieux comment fonctionnent ces interrupteurs, et ensuite, beaucoup de labos dans le monde essayent de faire de l'épigénétique sélective. C'est-à-dire pas seulement en prenant de l'acide folique, on sait que l'acide folique déclenche un certain nombre de médicaments, de mouvements moléculaires comme des méthyles qui vont sur les histones. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que l'on fait en changeant de comportement, nutrition, exercice, management du stress, plaisir de faire ce qu'on veut et harmonie du réseau social, familial, professionnel. Ces cinq éléments-là, on peut le contrôler tous les jours, peut-être même les heures de notre vie. Et eux agissent en permanence et en synergie. Mais le plus important pour l'industrie pharmaceutique du futur, fondée sur la prévention grâce à l'épigénétique, c'est de manière sélective d'avoir des médicaments qui peuvent agir sur certains types de gènes. Nicolas.
Vous nous dites, page 30 de votre livre, que l'épigénétique est l'une des plus importantes découvertes depuis ces 20 dernières années. Pourquoi ? C'est la réversibilité, la transmissibilité. D'abord, c'est vrai, quand Waddington, en 1949, a créé le terme de épigénétique par-dessus la génétique, il ne se doutait absolument pas de toutes les répercussions que ça aurait sur le plan social, culturel, économique, politique, médical, etc. Et en fait, cette grande découverte, elle est maintenant justifiée par des milliers de publications scientifiques depuis une quinzaine d'années. C'est surtout depuis une quinzaine d'années que ça explose. De tous les labos dans le monde qui travaillent dessus, on a des résultats tout à fait frappants, notamment sur les effets dont je viens de parler, les histones méthyltransférases ou les ARN, mais aussi sur la prévention quantifiable. Alors, dans les notions importantes sur l'épigénétique, on a compris que c'était des petites modifications. Elles sont réversibles, ces modifications-là, ou pas ? Oui, elles sont réversibles. Toutes réversibles ? Absolument. Elles sont transmissibles ? Elles sont transmissibles, pas 100% transmissibles, oui, mais transmissibles d'une certaine manière, et aux générations, pas seulement aux enfants, mais aux enfants des enfants. Donc, en fin de compte, vous mettez Darwin à mal avec l'épigénétique. C'est pour ça que j'ai un grand chapitre consacré à Darwin et Lamarck. J'y explique que Darwin et Lamarck se rapprochent grâce à l'épigénétique. C'est l'épigénétique qui contrôle l'expression de nos gènes ? C'est ça, l'épigénome, qui est tous les éléments des fameux 98% de l'ADN poubelle, ex-poubelle, qui contrôlent l'expression des gènes. Et on sait comment ça se traduit. On sait qu'il y a des ciseaux pour couper les gènes, mais est-ce que l'épigénétique, elle agit comment ? Alors, il y a trois éléments. Parlons un peu science. Il y a des médecins qui nous écoutent, évidemment. Les trois éléments sont des enzymes, j'en ai déjà cité, deux types d'enzymes qu'on appelle les histones méthyltransférases et les histones acétyltransférases, c'est-à-dire des enzymes qui transfèrent des éléments chimiques sur les histones et bloquent l'expression des gènes ou au contraire les amplifient. Ça, c'est deux éléments enzymatiques. Et le troisième élément qui est peut-être le plus important, ce sont des micro-ARN dont certains sont des micro-ARN interférents. C'est-à-dire qu'ils interfèrent avec l'ARN messager qui, je le rappelle, quitte le noyau copiant l'ADN. Et quitte le noyau pour aller sur les ribosomes où se fabriquent les protéines et les enzymes. Or, si les ARN, les micro-ARN interférents reconnaissent une séquence de cet ARN messager, ils appellent une protéine qui s'appelle RISC, R-I-S-C-K, qui coupe l'ARN messager. Si l'ARN messager est coupé, le programme des enzymes et des protéines ne peut pas s'exécuter sur les ribosomes. D'accord. C'est comme si on avait rendu le gène silencieux. Donc voilà comment les enzymes d'une part et les micro-ARN d'autre part. Et donc l'épigénétique, c'est quel phénomène j'ai de la peine à comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est la sécrétion dans notre corps à partir d'éléments du comportement, par exemple la méditation ou le sport, vont éliciter certains éléments chimiques, moléculaires, qui vont aller interférer avec l'expression des gènes. Un autre exemple que j'aime bien donner, il est lié au numérique que tout le monde connaît, c'est le système d'exploitation d'un ordinateur. Dans votre smartphone ou dans votre tablette, il y a un système d'exploitation. Vous l'achetez avec. C'est l'ADN, en quelque sorte, du smartphone et de l'iPhone. Mais il y a des applis. Les applis, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les éliciter à partir de ce système d'exploitation. Il est toujours là. D'accord. Mais les applis, sont adaptables à ce que vous souhaitez. Vous pouvez, par exemple, écouter de la musique en regardant les nouvelles. Ouais. Vous pouvez regarder les nouvelles en regardant une webcam avec le temps qu'il va faire dans l'endroit où vous allez passer votre week-end. Donc, vous pouvez agir sur vos applis. Moi, j'étais frappé parce que Crick et Watson, la double hélice à l'ADN, date de 53. On est en 2018 et l'épigénétique émerge finalement, vous l'avez dit, ces 15 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé entre 53 et la fin du XXe siècle? Alors d'abord, qu'on en parle pas. Le terme a émergé en 49 avec Conrad Waddington. Mais entre 49 et maintenant, il s'est passé énormément de choses, surtout grâce aux travaux sur le vieillissement, grâce aux travaux sur le cancer, grâce aux travaux sur le sida. À cause du sida, des travaux sur le vieillissement et le cancer, on a compris des mécanismes génétiques et donc d'expression des gènes beaucoup mieux avec les systèmes de séquençage et surtout avec la simulation sur ordinateur qui permet de simuler ce que les gènes feraient si on faisait telle chose. Donc simulation, puissance des ordinateurs, études sur le vieillissement, études sur le sida et on contribuait à mieux comprendre l'expression des gènes. On va peut-être passer, parce que le temps passe, on va peut-être passer au sondage. Vous avez fait faire un sondage. La génétique suscite beaucoup d'interrogations. Elle est source d'espoir et de crainte pour certains. Quels sont les grands chiffres de ce sondage ? Pour les collaborateurs du groupe VIF qui ont été interrogés, donc 83% sont pleins d'espoir, alors que 17% quand même voient dans la génétique et donc dans l'épigénétique un danger. Et là, vous nous dites que finalement l'épigénétique est une formidable opportunité. Vous pouvez nous dire
qu'est-ce qui fait que c'est une opportunité plutôt qu'un danger? Et oui, comment rassurer? Est-ce qu'il y a des limites? Alors évidemment, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, là je viens de passer une émission sur l'intelligence artificielle, il y a une crainte sur l'intelligence artificielle aussi, donc il y a toujours des craintes, tant qu'on n'a pas à peu près compris quels pouvaient être les intérêts et les avantages pour l'humanité. Donc dans l'épigénétique, l'avantage numéro un, c'est ce que j'appellerais la prévention quantifiable. Le terme qu'on explique de lui-même. On peut faire de la prévention en mesurant les effets de cette prévention. On peut se fixer un objectif par le sport ou la nutrition équilibrée ou le management du stress ou la méditation. Et avec les outils de la santé connectée, qui sont des outils métables qui nous permettent de savoir si on reste sur l'objectif qu'on s'est fixé, on peut mesurer ce qu'on fait. Et ça, c'est un impact fondamental pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire. Je prends l'exemple de l'industrie pharmaceutique. Beaucoup sont en train de comprendre, et je discute pas mal avec eux en ce moment, que leur métier du futur, c'est la maintenance d'une bonne santé, et pas seulement la thérapie à partir de médicaments. Aider les gens, c'est beaucoup plus personnalisé avec les nouvelles technologies du numérique pour les aider à se maintenir en bonne santé et à vieillir moins vite. Et nous, quand on le voit avec l'épigénétique, il n'y a pas de mal à se faire du bien, ça fait du plaisir. Alors, dans, combien de personnes, vous avez demandé dans votre sondage, combien de personnes connaissaient le décollage de l'ADN ? 55 personnes savent que l'ADN a été 55%. L'ADN humain, 55%. L'ADN humain a été séquencé normalement. Ça veut dire donc, que sur l'épigénétique, ça ne fait pas grand monde. Ça ne fait pas grand monde et en fait, c'est la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on en est finalement? Est-ce qu'on en est au Moyen-Âge, à la Renaissance, à la préhistoire Dans le grand public, carrément au Moyen-Âge. Dans le grand public, personne n'a entendu parler d'épigénétique. C'est pourquoi j'ai voulu écrire ce livre, à la fois comme non seulement vulgarisation sur l'épigénétique, mais aussi sur l'épimémétique qui va plus loin encore, en montrant que si le message de base de mon livre, c'est oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous, pour vous maintenir en meilleure santé et vieillir moins vite. Et le deuxième message, c'est oui, vous pouvez faire quelque chose collectivement pour vous maintenir dans une société qui correspond aux objectifs que vous souhaitez ensemble. Alors, je poserai les questions tout à l'heure que vous avez, mais il y en a même plusieurs, qui disent tout le comportement des gènes codants est-il sous l'influence de l'épigénétique et donc notre environnement, nos liens sociaux, notre alimentation. C'est le tout épigénétique ou il y a des nuances? Non, la réponse est oui. La réponse est oui. Absolument. Eh bien, écoutez, on va y aller tout de suite parce qu'on va passer à la pratique. Alors, quand même... moi, j'ai beaucoup de respect pour une Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier. Oui, avec Jennifer Doudna, a mis au point la technique CRISPR-Cas9. Oui, c'est une paire de ciseaux. C'est une paire de ciseaux. Enfin, c'est plutôt un système d'édition numérique, oui. Comme le système d'édition sur votre ordinateur. Vous écrivez un roman, vous mettez « changer Pierre ». Pour Paul, et dans tout le livre, du coup, c'est plus moderne que de dire une paire de ciseaux. Voilà. Mais est-ce que, en fin de compte, cette technique absolument incroyable, et je vous dis qui est partie d'une Française dont on parle pas assez dans ce pays, qui mériterait sans doute un jour le prix Nobel, c'est la même chose, l'épigénétique? C'est-à-dire que le corps est capable d'inventer un système de copier-coller bien plus astucieux? Alors, ce n'est pas tout à fait pareil dans la mesure où CRISPR-Cas9 agit en changeant des séquences de gènes. C'est-à-dire, il reconnaissait tel gène, si vous l'avez reconnu, enlevez-le et remplacez-le par tel autre. Ça, oui. Donc là, on agit sur le code génétique. Et non pas, alors que l'épigénétique agit sur l'expression du code génétique, plus, moins, inhibé, renforcé. Alors, on arrive à la partie du livre que vous prenez carrément position, comment changer sa vie avec l'épigénétique. Vous avez une première question? Écoutez, moi j'ai été frappé des exemples que vous prenez dans votre livre concernant l'influence des comportements. Et là, vous citez les abeilles par exemple, les jumeaux homozygotes, l'intelligence des plantes. Vous pouvez nous en dire plus pour montrer comment ça se passe et quels sont D'abord, l'épigénétique, elle est partout. Elle est non seulement chez les humains, elle est chez les animaux, elle est même chez les plantes. Par exemple, pour prendre des plantes, vous avez des plantes qui sont mangées, enfin le bas des plantes est mangé par des animaux. Par des gazelles qui mangent les feuilles. Alors, la plante va réagir. Le fait de manger les feuilles va déclencher chez eux une forme de stress qui se répand dans la sève et qui, par épigénétique, modifie les gènes qui influencent le goût des feuilles. Les goûts des feuilles ne deviennent pas empoisonnés, ça ne tue pas les gazelles, mais le goût est tellement mauvais que les gazelles ne le mangent plus. Donc c'est une réaction à l'environnement, et c'est de l'épigénétique. C'est très bien décrit dans un magnifique livre d'un naturaliste allemand qui a écrit un livre sur les mystères des forêts, qui est extraordinaire, comme le microbiome écrit par les deux sœurs Engers, qui s'appelle « Le charme discret de l'intestin ». J'en profite pour dire que l'épigénome, ce n'est pas seulement nos 30 000 gènes, les 98% de nos 30 000 gènes. L'épigénome, c'est aussi le métagénome avec les 100 000 milliards de microbes qui vivent dans notre cœur. Et donc, quand je dis qu'il faut se nourrir correctement, il ne faut pas seulement penser à soi, il faut penser à nourrir correctement son microbiome. Parce que si votre microbiome est heureux,
si j'ose dire, vous serez en bonne santé, vous vieillirez moins vite. On va y venir sur le microbiome dans un instant. On va d'abord s'arrêter sur ce qui est le sport traditionnel des Français, ce que vous appelez, vous, la bonne bouffe. L'épigénétique nous apprend quoi, justement, sur notre façon de nous alimenter? Que le plaisir qu'on se donne en bouffant, par exemple, ou la bonne baise aussi, ça va dans le même sens, ce plaisir-là est un plaisir qui va, sur le plan épigénétique, provoquer toute une série de sécrétions de molécules dans notre corps qui vont aller dans le noyau et influencer certains gènes. Par exemple, les gènes de la dopamine, les gènes des endorphines, les gènes qui sont anti-stress. La méditation, dont je parle beaucoup dans les livres, on l'a prouvé sur un plan scientifique, génère des éléments qui vont lutter contre le stress, l'inflammation et l'oxydation du corps. Mais vous... Alors, je vais un petit peu vous provoquer, là. Tout ce que vous dites sur... les médecins le disent depuis une éternité, qu'il faut faire attention bien à ce qu'on mange. Non seulement qu'est-ce les médecins... Qu'est-ce que ça amène de plus, le fait de savoir que non seulement les médecins, mais les remèdes de bonne femme. Ce qu'on appelait les remèdes de bonne femme ou de grand-mère, on est mal dans sa peau, on se fait du sang d'encre, on se fait du mauvais sang. Maintenant, ce qu'on appelle la psychoneuro-immunologie démontre scientifiquement que ces idées qui étaient répandues partout par la parole populaire sont réelles. Et donc, les médecins savaient que la nutrition, l'exercice, le sport, le management du stress était bon. Mais maintenant, la différence, c'est que depuis 20 ans, 15 ans même, on a des preuves scientifiques... Que c'est bon. Que c'est bon, et surtout la preuve scientifique que ça marche. Et vous n'avez pas vous ne pouvez pas faire une graduation des conseils que les médecins peuvent donner, parce que redire à tous les patients... Par ceux qui nous écoutent, qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, ils vont dire, mais ça, Jean-François, je le dis depuis des années. Moi, on me demande souvent si les 5 éléments que je donne toujours, vous les avez entendus, la nutrition, l'exercice, le management du stress, plaisir et harmonie du réseau social, familial et professionnel, s'il y en a un prioritaire, je dis non, c'est la synergie des 5 qui fait des manipulations génétiques sur votre corps tous les jours. On fait des manips génétiques, changeant le code génétique. Ça, on vient de comprendre que... Là, vous nous faites comprendre les conséquences. Ça, c'est de façon indéniable. Maintenant, de dire qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça doit changer, c'est vous appeler simplement un élément de preuve que les médecins n'avaient pas. Des preuves scientifiques. Qui n'avaient pas parce qu'elles sont trop récentes, notamment sur la transmission des caractères acquis. Une question avant qu'on passe... On a fait poser quelques questions au sein du groupe Vive. Une de nos collaboratrices souhaiterait savoir, Dominique, là, quelles sont les pistes thérapeutiques qui sont ouvertes par l'épigénétique? Est-ce qu'il va y avoir des guides qui vont permettre d'activer ou freiner tel ou tel gène? Des guides pratiques à terme qui, grâce au système de lecture, il y a deux choses. Activer ou pas? Il y a deux volets. Premièrement, il y a le volet empirique, traditionnel, de ce que se disent les populations du monde entier depuis très longtemps. En mangeant ceci, avec cela, on va augmenter la chance de vivre en meilleure santé et de vieillir moins vite. Et puis deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, l'industrie pharmaceutique dans le monde, qui comprend l'importance de l'épigénétique, essaye maintenant de faire une épigénétique sélective. C'est-à-dire en choisissant des molécules en synergie les unes avec les autres. On sait que le curcuma, l'acide folique, le jus de grenade ou le thé vert, ou bien les pyrocotéchol galate des brocolis, ces éléments-là, on sait qu'en synergie, ils ont un effet épigénétique. Il y a d'ailleurs une publication remarquable, je la cite dans mon livre parce qu'elle a été déterminante pour moi, qui date déjà quand même de 2010, des NIH, National Institute of Health, qui montre comment des produits naturels en synergie, pas ou l'un ou l'autre, mais en synergie, déclenchent des mécanismes épigénétiques qui peuvent être même préventifs de certaines formes de cancer. Alors que d'autres mécanismes épigénétiques peuvent provoquer les cancers. C'est-à-dire se faire du mauvais sang, se culpabiliser pour quelque chose, déclenche, à l'inverse de la méditation, des nocebos, pas des placebos, mais des nocebos qui vont nuire à l'équilibre de votre corps et pouvoir éventuellement conduire à des néoplasies. Alors, on risque de rester très très tard si on ne prend pas une décision qui est de vous dire que la symphonie du vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie. C'est un excellent livre et toutes ces choses-là sont dedans parce qu'on ne peut pas donner toutes les recettes ce soir. Simplement, l'idée, c'est de vous de donner envie. D'avoir envie. D'avoir envie et surtout de lire ce livre. On va quand même un petit peu se promener sur sport-plaisir. Donc, vous dites sport, alors que moi, j'ai toujours dit exercice physique parce que le sport me semble être un excès qui n'est pas forcément bon pour le corps. Mais enfin, bon, vous l'appelez sport. Mais... Oui, exercice physique, monter les escaliers, marcher. Voilà. Méditation. Alors, méditation, c'est très mode, ça. C'est pas mode. C'est au contraire millénaire. Ouais. Donc, bon, d'accord. Mais vous êtes... Par exemple, vous méditez. Moi, je médite depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Ouais. Combien de temps?
20 minutes. 20 minutes tous les jours. 20 minutes tous les jours, quand je reviens de quelque chose de stressant avant d'aller à un dîner, ou bien même 2 ou 3 minutes dans un parking en attendant un rendez-vous. Dès que j'ai un moment dans l'aéroport, là je viens de faire 3 voyages en 3 jours, j'étais à Bruxelles, j'étais à Genève, et bien dès que j'ai un moment dans un taxi, ou dans le train, ou dans l'avion, je médite, je respire profondément, je prononce mon mantra, je vois l'horizon près de mes yeux, loin de mes yeux, etc. Donc, toute une technique que j'écris d'ailleurs dans le livre. Ce n'est pas de la méditation transcendantale, compliquée. Moi, je vous connais depuis tellement longtemps que je ne vais pas donner votre âge, mais je dois dire que vous êtes quand même en super forme. Donc, au moins, de temps en temps, les auteurs ne donnent pas la preuve de ce qui... mais vous, donc, effectivement, ça fait toutes ces choses-là, vous les... c'est vrai que tout ce qu'on revisite avec vous, là, c'est vrai que nous, on en parle régulièrement dans ces émissions, mais on termine par une question sur le microbiote, peut-être. Vous en avez parlé tout à l'heure, on dit microbiote, microbiome, finalement... Microbiome ou microbiote. Fait une exposition au Palais de la Découverte, en mai, là-dessus, avec les deux Seringers, qui ont écrit ce merveilleux livre. Donc, moi, j'ai dit microbiome. Pas mal de gens disent microbiome. Mais n'oublions pas qu'ils ont ces 100 000 milliards de microbes, 10 millions de gènes. Et nous, on en a 30 000. Donc, nos 30 000 plus leurs 10 millions créent ce qu'on appelle le métagénome. Et donc, il faut toujours penser que l'épigénétique porte sur le métagénome, pas seulement sur nos 30 000 gènes, mais sur leurs gènes à eux aussi. Et que donc, on peut transformer le microbiome dans un bon sens positif pour nous, dans un mauvais sens en prenant trop d'antibiotiques, par exemple. Vous parlez des deux sœurs allemandes, peut-être que personne ne les connaît totalement dans notre auditoire. Ce sont une jeune gastro-entérologue allemande. Et une dessinatrice. Ils ont écrit un bouquin qui en est à plusieurs 2 millions d'exemplaires. Oui, mais en Allemagne, mais un peu partout dans le monde, ce qui est incroyable. Donc, ce n'est pas forcément tendance, c'est quelque chose d'important. Très important. On peut dire quoi, justement, quand vous dites qu'il faut faire attention? C'est encore en jouant avec l'alimentation, le plaisir? La prévention n'est pas la privation. Oui. On peut se faire plaisir avec ce que l'on fait et voir les résultats sur soi. Le plus important, c'est comme je dis souvent, de lire des livres. Non seulement il faut lire des livres, dire aux enfants, mais il faut parler des livres qu'on a lus. C'est dans la communication avec les autres que l'on a mieux, on se comprend mieux soi-même. Pareil avec, pas le régime, les gens appellent ça un régime, mais avec un mode de vie alimentaire équilibré et d'exercice plutôt que de sport équilibré, on en parle aux autres et on les motive. Parce que les gens voient les résultats. Alors, on va passer sur la dernière partie de ce bouquin. Je vais vous laisser un peu plus la main, Nicolas, parce que vous, évidemment, ce fil conducteur sur la nouvelle vision de la société humaine, ça vous a passionné. Écoutez, oui, vous nous dites qu'individuellement, avec nos comportements, nous pouvons changer l'expression de ce que nous sommes en tant que sujet. Mais vous faites l'analogie avec la société, qu'en changeant nos comportements collectifs, on peut aussi améliorer la société. L'ADN sociétal. L'ADN sociétal. Vous appelez ça la mémétique? Crée l'idée de l'ADN sociétal. L'ADN sociétal est fait de gènes, mais ces gènes, on les appelle des mèmes. Les mèmes, c'est un terme qui a été créé par Richard Dawkins, un grand biologiste britannique, en 1967, dans son livre « Le gène égoïste ». Les mèmes, c'est des gènes culturels qui sont transmis par les médias, transmis par les réseaux sociaux, Twitter, par Facebook, qui sont en fait transmis par mimétisme, par les neurones miroirs de notre cerveau qui les transmettent aux autres, parfois de manière virale. Les tweets de Trump sont des mèmes. Et c'est pour ça que je dis que Trump est un média-virus. Et nous contribuons à l'épidémiologie des virus de Trump. Donc ça se répand très vite. Je vous donne un exemple. Le hashtag, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un hashtag, c'est un signe dièse qu'on met avant Twitter, avant un mot. Le hashtag MeToo s'est répandu dans le monde de manière virale et a libéré la parole des femmes qui, à l'échelle mondiale, sont mises à parler du harcèlement sexuel qui les concernait. Qu'est-ce qu'ont fait les politiques ? Les politiques ont promulgué des lois et des règlements pour protéger les femmes du harcèlement sexuel dans la rue, dans les entreprises. Donc, ils ont changé l'ADN sociétal. Donc, voilà comment un mème, le hashtag MeToo, a changé l'ADN sociétal. Alors, c'est vrai que le mot mème est confusant pour nous. Oui, parce qu'il ne faut pas le mettre avec un accent. C'est M-E. M-E, accent grave, M-E, même gène. Et la mémétique. Alors, parce que vous avez parlé de la mémétique. Voilà, alors la mémétique est une science qui existe. Un institut de mémétique a été créé en 1963 en France. Il étudie la propagation des mèmes dans les médias. Et la mémétique, j'ai pensé que s'il existe une génétique et une épigénétique, l'épimémétique, c'est la transformation des mèmes dans un ADN sociétal par notre comportement collectif. D'accord. Et je donne même des exemples à la fin. Quelles structures le favorisent? Les coopératives, les mutuelles, les associations sont des éléments où chacun peut jouer son rôle pour tous. Alors, donc, on contribue à la modification de l'ADN sociétal. Je vous jure que nous n'avons pas fait cette émission parce que la Mutuelle Vive est un partenaire. C'était un hasard total. Je le dis dans le livre, bien avant d'avoir été. Il n'y a pas de conflit d'intérêt là-dedans, mais ça ne vous a pas échappé, Nicolas. Écoutez, c'est même
très intéressant et passionnant. Nous, nous sommes convaincus, hein, au sein du groupe VIF, que, bien sûr, le modèle d'entreprendre mutualiste est un modèle humain, vous le citez, qui apporte de l'humain et sociétal, qui donc est bien pour les sociétés. Mais ça m'a fait très plaisir de pouvoir en avoir cette démonstration scientifique. Expliquez-nous, finalement, pourquoi les mutuelles et les coopératives et l'économie sociale et solidaire en général sont un modèle d'entreprendre d'avenir. C'est comme ça que vous le positionnez. Alors, si vous voulez, j'explique dès le début que les réseaux sociaux permettent de dégager un pouvoir collectif. Je l'ai donné l'exemple pour MeToo, et qui ont conduit à des lois. Quelles sont les structures, sans être les réseaux sociaux qui existent que depuis récemment, permettent à chacun de participer à quelque chose qui change la société sans avoir un but purement de croissance et de profit? Ce sont les mutuelles et les systèmes coopératifs, coopératives agricoles, coopératives d'entrepreneurs. Et la France, c'est ça qui est extraordinaire, qui était très bien vu par Jeremy Rifkin, un économiste américain très prospectiviste, qui a dit « La France est le pays le plus avancé dans le monde dans le domaine des coopératives et des mutuelles. Il devrait donner l'exemple au monde. Pourquoi ? Parce que les coopératives permettent de travailler sur ce qu'on appelle les collaborative commons, qu'on peut traduire en français par les communautés collaboratives, qui changent l'ADN de la société en s'impliquant dans ce qu'on appelle les biens communs, les common goods. Je vous rappelle que le discours de Macron à Davos, si vous l'avez entendu, devant des milliers de milliardaires, il leur a dit améliorer le profit des entreprises, c'est bien, essayer de faire d'évasion fiscale, vous le faites si vous voulez, mais pensez que votre vrai rôle, c'est les common goods, les biens communs, l'éducation, la santé, l'environnement, le numérique. Il a redit là dans son discours au Collège de France récemment. Donc voilà comment les common goods peuvent être modifiés par des systèmes coopératifs et mutualistes, encore mieux que par les réseaux sociaux. Mais l'un et l'autre s'appuient l'un sur l'autre. Vous ne saviez pas que vous étiez des start-up qui s'ignorent, vous, en fait. Vous avez une autre question. Vous dites même que c'est un modèle. J'ai une chance pour la France. Oui. Parce qu'on est vraiment très, très en avance. La France est l'un des pays les plus avancés du monde dans le domaine mutualiste et coopératif. Bon, ça remonte à plusieurs siècles. Votre bouquin, il est lu par les politiques, ils vous font des commentaires. J'ai un commentaire du président Macron qui m'a envoyé un très gentil mot quand il a reçu le livre sur ce sujet-là. Et l'autre jour, j'ai rencontré un ancien Premier ministre dans un célèbre restaurant de Paris. Il était en train de remettre son manteau. Il me dit « Joël René, comme vous le savez, j'ai le temps de lire maintenant ». Ouais. J'ai dit, oui, alors, vous avez lu, j'ai lu votre livre du début jusqu'à la fin, bravo pour votre ADN social, ça c'est la démocratie participative. J'ai de la peine à croire que c'est monsieur Hérault, mais bon. Non, mais pensez à un monsieur qui est plus. Peut-être depuis pas longtemps, il a décidé de quitter la politique. Mais c'est quelque chose qui est. C'est un vrai mouvement de pensée, ce mouvement-là, c'est quelque chose qui est très structuré. Oui, on l'a vu monter avec tous les fameux. Les fameux mouvements comme Podemos en Espagne, Nuit debout en France, les mouvements le printemps ceci, le printemps cela, qui ont d'ailleurs été récupérés par les systèmes totalitaires. Mais c'est cette volonté de s'exprimer collectivement pour changer la société. Et je vois de plus en plus de jeunes qu'on appelle maintenant les millennials, qui avaient 5 ou 10 ans au tournant de l'an 2000, quand ils créent des entreprises, ils veulent créer des entreprises qui ont un impact sociétal, pas seulement la croissance pour le profit et le bénéfice, mais pouvoir changer les formes de structure de la société dans laquelle nous vivons. C'est vrai que c'est notre génétique, nous mutualistes, que d'avoir cette volonté-là. C'est ça. Et depuis des dizaines d'années. Et beaucoup de jeunes qui lancent des start-up, c'est beaucoup leur idée maintenant. Je vis avec des groupes que j'ai créés qui réfléchissent à ça. Je vous jure que ce passage mutualiste n'était pas prévu. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Et bien maintenant, on va passer à vos questions. Alors, dans les questions, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion entre génétique et épigénétique. Mmh. Parce qu'ils vous posent des questions, alors on va les poser, mais qui n'ont pas forcément à voir avec l'épigénétique. Un de nos téléspectateurs dit « Je suppose que le manpower va être considérable avec tous ces tests de manipulation. Que pouvons-nous opposer aux milliards de techniciens chinois et indiens qui se sont peut-être emparés du sujet ?» Alors, vous venez de nous expliquer que nous, la France, on est très en avance sur l'épigénétique sociale, mais l'épigénétique médicale. – Alors, qu'est-ce qu'on peut opposer ? C'est l'éthique. Il y a en France des comités nationaux d'éthique. La France a été parmi, encore une fois, les premiers en bioéthique. On a créé le premier comité de bioéthique qui rassemblait des politiques, des médecins, des pensées philosophiques, des religieux. Et donc, je pense que l'éthique, c'est la réponse à ça. La réponse à ce que font en ce moment les Chinois qui utilisent CRISPR-Cas9 sur des humains.
Oui. Donc voilà, c'est la démarche. Alors, CRISPR, cette espèce de copier-coller. Copier-coller, je préfère votre terme de copier-coller. Justement, quelqu'un nous dit on peut imaginer les dérives éthiques chez les Chinois. Alors, il y a un essai chinois, comme signal, dans le cancer du poumon. Les cellules cancéreuses ont la capacité de mettre sur off l'interrupteur de fonctionnement des lymphocytes, d'où l'idée de détruire cet interrupteur. La cellule cancéreuse devient alors inefficace, mais est-ce que ça risque pas de changer les réactions immunitaires normales et de susciter des erreurs dramatiques chez les cellules saines ? Non, c'est très intéressant l'approche. Moi, je suis très intéressé par l'approche métabolique du cancer. Il y a la grande approche génétique d'aujourd'hui, l'approche immunitaire avec des médicaments qui y sont associés, mais l'approche métabolique peut utiliser des éléments naturels pour forcer la cellule cancéreuse à se suicider, par ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire de réveiller la mitochondrie. La mitochondrie est inhibée dans les cellules cancéreuses. Elle est inhibée, elle ne produit pas suffisamment d'énergie. Donc en réveillant la mitochondrie sur le métabolisme normal du cycle Krebs, du cycle Pasteur, à ce moment-là, avec des produits comme la pyruvate phosphorylase, on peut réorienter le métabolisme de la cellule cancéreuse, réveiller la mitochondrie, réveiller les gènes d'apoptose et faire se suicider la cellule cancéreuse elle-même sans toucher aux cellules autour. Ça, c'est des travaux qui sont faits dans le monde entier. Dans le monde entier, et vous dites que les Chinois, ils vont un petit peu plus loin. Ils sont dessus, les Canadiens aussi, les Américains, les Indiens aussi. Alors, il y a un de nos téléspectateurs qui dit l'épigénétique, ça fait très longtemps que les gens qui s'occupent des animaux et des plantes la connaissent et s'en servent. C'est vrai qu'ils sont plus en avance. Il ne faut pas confondre avec la sélection naturelle. Ouais. Quand on a sélectionné des espèces de chiens ou d'animaux domestiques par rapport aux autres, c'est de la sélection, c'est de l'hybridation au sens mendélien. Par exemple, les vaches sans cornes, c'est de la sélection. C'est la sélection. C'est de la sélection. Tout ça, c'est de la sélection. C'est pas, on ne travaille pas sur. Non, c'est comme les races de chiens. L'épigénétique des plantes. J'ai compris que vous allez redonner le goût aux gazelles de certaines plantes, mais concrètement, est-ce qu'on va faire pousser du blé dans le désert ? Non, mais les racines des plantes qui se développent, on a vu qu'à la tête des racines, il y a des cellules qui ressemblent à des neurones. Ce n'est pas des neurones du tout, mais ça ressemble à des neurones et elles tâtonnent. Et si elles tâtonnent, elles renvoient de l'information en feedback arrière qui va réorienter la racine vers un endroit plutôt qu'un autre. C'est une forme d'épigénétique. Il va favoriser les gènes de prolifération dans une direction plutôt que dans une autre. Alors, il y en a un qui dit, je crois, j'ai bien compris qu'il va falloir acheter le bouquin, je vous confirme qu'il faut acheter le bouquin, la symphonie du vivant, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des guidelines qui pourraient être édités pour justement... Bon, j'ai créé un blog sur ce livre, et dans le blog, il y a des tas de résumés du livre avec des applications que les gens pourront voir gratuitement, puisque le blog est gratuit. J'ai d'ailleurs 3 livres gratuits qui ont été publiés sur Internet. Ouais. Et c'est quoi l'adresse ? L'adresse, voilà, c'est www.deronet.com. Voilà. Et là, on a tout, des bouquins gratuits. Ils peuvent vous poser toutes les questions. Ils peuvent me poser les questions qu'ils veulent, s'ils ne sont pas trop longs. Une autre question, quel rôle accorder à la vie relationnelle et psycho-affective consciente et inconsciente dans les régulations positives et négatives de l'épigénome ? Alors, c'est une très importante question. C'est ce que j'appelle dans le cinquième élément fondamental, l'harmonie du réseau familial, professionnel et social. Si il y a une disharmonie, qu'on est stressé à cause des conflits et que la communication non violente, la fameuse CNV, ne s'est pas mise en place, le stress permanent crée une inflammation, crée des risques de dégénérescence cellulaire de certains endroits et donc conduit au vieillissement prématuré et même à la mort pour beaucoup. Donc on sait que quand on voit des gens qui partent à la retraite très vite et qui perdent le contact avec leur réseau, fondamental professionnel, qui se replient sur un réseau familial qui n'existe pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le construire et de le créer, beaucoup de gens tombent malades. Donc il n'y a pas de hasard, il y a vraiment l'épigénétique à l'œuvre, on le voit constamment autour de nous. On a beaucoup de questions et beaucoup de commentaires. Hein. J'en choisis un. Nous sommes très heureux de vous entendre sur ce sujet. Nous développons des programmes de prévention santé par l'activité physique, nutrition et micronutrition. Nous commençons à mettre en place des programmes en nous appuyant sur la génétique et l'épigénétique. N'hésitez pas à les signer, vos questions. Madame Buzyn l'a bien compris. Il y a 2 jours, avec le Premier ministre Édouard Philippe, ils ont fait tous les deux un discours et une conférence de presse sur l'importance de la prévention à l'école, apprendre très jeune, revenir à l'hygiène, et l'importance de la prévention pour la responsabilisation des gens. Je ne dis pas qu'ils ont fait ça grâce à mon livre que je leur ai envoyé. – Parce qu'ils vont vous prendre dans le gouvernement, là, vous avez dit Macron formidable, le ministre formidable. – Je n'y irai jamais, ah bon, je ne fais pas comme Hulot, moi. – Vous êtes, ce n'est pas votre truc. – Je préfère influencer. – Et là, apparemment, l'influence, ça marche. Alors, oui, je dis signez vos questions, parce que je ne peux pas citer qui vient de dire ça, donc voilà, j'espère que ce n'est pas quelqu'un de votre équipe, mais… Il y a une question qui d'ailleurs va un peu rejoindre mon sentiment.
C'est-à-dire, c'est gentil toutes ces théories, mais on en aura quand la vérification ? Alors ça, c'est vraiment la vision sceptique typique française. J'aurais presque pu dire la phrase à l'avance. Ouais. C'est complètement vérifié par des milliers de publications scientifiques, surtout depuis les 15 dernières années. Bon, vous avez une question, oui, Anne, on nous pose la question de savoir, est-ce que finalement toutes ces découvertes qui émergent là, ça ne va pas favoriser les inégalités de santé avec ceux qui d'un côté pourront prendre en charge leur comportement vertueux et puis ceux qui malheureusement n'auront pas... Alors si vous permettez, il faut voir les choses dans la dynamique du mouvement. Prenons deux exemples, le bio et l'exercice. La montée des produits bio en France, je ne vous dis pas en pourcentage depuis quelques années ce que ça représente. Vous l'avez vu, vous l'avez lu comme moi. Donc il y a une volonté des familles d'essayer de se faire du bien en prenant des produits certes un peu plus chers, mais qui sont meilleurs pour leur santé et celle de leurs enfants, premièrement. Deuxièmement, il y a tous les produits de sport que les gens achètent pour faire de l'exercice chez eux ou du jogging ailleurs ou faire des escalades ou aller marcher. Ça montre aussi une montée. Donc les gens ont compris ce qu'ils pouvaient faire pour eux. Ce qui manque, c'est la motivation d'avoir envie. Et ça coûte cher aussi. Et ça coûte cher, oui, mais le smartphone coûte cher. Ouais. Regardez son développement incroyable. L'ordinateur personnel et la tablette coûtent cher, mais regardez leur développement extraordinaire. L'automobile basket, coûte cher. Et l'automobile coûte cher. Donc tout ça, au départ, ça coûte cher. Puis ensuite, ça se démocratise. Il ne faut pas regarder les choses sans la dynamique du mouvement. Moi, je suis un surfeur. Et je regarde les choses dans la dynamique du mouvement, sur les vagues qui bougent. Si on est séquentiel, analytique et linéaire, on ne voit pas ce qui se passe. Eh bien, je vais vous dire un truc. Hein. Il est l'heure de conclure. Le temps passe très vite avec vous, Joël. Alors, le sous-titre de votre livre est « Comment l'épigénétique va changer votre vie ?» Je vous le rappelle. C'est paru aux éditions « Les liens qui libèrent », LLL. Hein. Oui. Je ne connaissais pas cette édition, mais... Oui, mais elle est distribuée par Actes Sud. Ce que vous connaissez mieux, c'est Actes Sud, puisque sa ancienne directrice est maintenant la ministre de la Culture. Pourquoi vous avez mis un... C'est un chardon, c'est quoi ? C'est la fleur de pissenlit. On dit souvent manger les pissenlits par la racine, c'est quand on est mort. Mais moi, j'ai pris le pissenlit positif, c'est-à-dire c'est un symbole multicentenaire, à la fois symbolique, ésotérique, et chez les francs-maçons, qui montre comment la vie peut résister aux agressions de l'environnement par la diversité. Et c'est le symbole de la fleur de pissenlit, c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, votre sous-titre, c'est « Comment l'épigénétique donc, va changer votre vie ?» Pourquoi vous n'avez pas mis « notre vie » Vous vous excluez du… – Parce que c'est un livre qui s'adresse aux gens, c'est un livre qui essaye d'être didactique, c'est un livre de vulgarisation. Donc moi, je sais que ça a changé ma vie, et celle de ma femme, et de certains de mes enfants. Donc je ne vais pas dire « ça va changer notre vie », je dis « ça va changer votre vie », je m'adresse à vous. Les électeurs, essayez de changer votre vie. Soyez responsables face à vous. La preuve que vous êtes vraiment très, très attentif, c'est que l'histoire de la vie relationnelle et psychoactive, c'était le docteur Delourmel qui avait fait cette question-là. Et puis, ceux qui ont dit qu'il faisait des programmes, signent son message. Je suis José Sanchez avec le docteur Ariane, mon ami. Je suppose que le docteur Ariane, c'est son ami ou mon ami, je ne sais pas. Nous développons tous ces programmes. Merci en tous les cas de signer vos messages. Découverte aussi importante, une échelle de temps tout à fait raisonnable. Je rappelle le titre de votre livre, La Symphonie du Vivant, aux éditions Les Liens qui Libèrent. On apprend des choses passionnantes et surtout, à la fermeture du livre, on a de vrais sujets de réflexion. Je suppose que ce sera le même cas pour vous, chers amis. Nicolas, un dernier commentaire. Merci beaucoup, Joël René. Je retiens beaucoup de choses dans votre livre. Peut-être en résumé, c'est que finalement, agir sur nos déterminants de santé qui sont liés au comportement, c'est plein d'avenir. Et je crois que là, nous, mutualistes, on aura aussi notre... Et on joue déjà un rôle et on aura encore plus notre rôle à jouer. Merci de le dire, vous avez tous compris que c'est un livre sur la responsabilisation et c'est un livre positif. Ce n'est pas un livre optimiste, c'est un livre qui donne de l'espoir parce qu'on peut faire quelque chose pour soi et on peut faire quelque chose pour le monde. Et ce qui est étonnant, c'est que ça commence comme un bouquin un peu scientifique, un peu on lit pas ça en faisant n'importe quoi. Et puis après, ça devient un bouquin de recettes, et c'est très, très, très particulier. C'est pour ça que c'est assez amusant de le lire, de l'acheter. Il y aura bientôt les vacances et vous allez pouvoir mettre ça. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission. On vous retrouve, Nicolas, dans un mois avec une émission, là encore, avec un invité prestigieux, puisqu'il s'agit d'Axel Kahn, le généticien, qui viendra, au moment où l'on parle beaucoup de bioéthique, nous donner son éclairage sur quelques dossiers chauds. Je vous rappelle l'adresse mail des jeudis de la formation,
pour vos commentaires pardon, et vos suggestions et vos questions, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions ou en faire profiter des collègues ou des amis, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com. Toutes nos émissions, pas que celles des JDF d'ailleurs, sont là. N'oubliez pas de liker, pouce levé, c'est ce qui fait monter l'audience. Et vous verrez qu'il y a des audiences étonnantes et que ces émissions fonctionnent très très bien. Merci, on s'approche d'ailleurs de la 100e des jeudis, des jeudis de la formation. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission passionnante encore sur l'imagerie avec un des maîtres du sujet, le professeur Jacques Maresco. Allez, bonne soirée à tous et en attendant de vous retrouver, portez-vous bien.